YouTube, bienvenue dans cette nouvelle VOD sur Inazuma Eleven Go Galaxy. On continue notre aventure. La dernière fois, on avait avancé un petit peu dans les matchs amicaux de Cryptix. On avait essayé de récupérer quelques objets de recrutement. On avait discuté avec les gens dans le chat, mais surtout avec mon très cher Bricoro qui est actuellement avec moi ce soir. N'hésite pas à faire un petit coucou à YouTube. Salut. YouTube, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir, et surtout d'aller faire un tour sur la chaîne de Bricoro, que ce soit sur YouTube ou Twitch, ça fait toujours extrêmement plaisir, ou alors à nous rejoindre directement sur Twitch pour rencontrer les incroyables personnes que vous voyez dans le chat qui vous font des petits coucou YouTube. Merci merci Crayon, merci Reg, merci mon Loïc pour vos petits coucou à YouTube, vous êtes adorables. Mais enfin, sur ce YouTube, j'espère que vous passerez un agréable moment en notre compagnie, et puis bah écoutez, profitez bien de la rediffusion, et puis nous, bah, on est reparti pour farmer. En vrai, elle était bien cette intro là, je trouve. Je m'en suis bien sorti. Waouh, fluide. Ah ouais. T'as trouvé que c'était fluide? Ouais. Ouais. Ah oh, nice. Nice. Je vais devenir youtubeur, les gars. Oula. Ouais, je m'en suis rendu compte en le disant. Kinen, sorte de ce live. Wesh. Non. Non. Quand même pas. Attention. Wesh, par contre, faut que tu cours un petit peu mon archer là. Les pièces dorées veulent pas venir, c'est fou. Ah, moi j'en ai eu 8 là depuis le début du live. Ah ouais, c'est rassurant, ouais. Ça fait 2 heures. Ouais. Il m'en faut 10. Eh, Tanej, j'ai oublié de résilier mon essai Twitch Turbo. Oh merde. C'est Crayon qui dit ça. Ouais, je me doute. Oh merde, non. Mais ça coûte cher ou... 4-5 balles, je crois. Oh mais non. Mais Crayon. Genre un sub. Genre un sub. Et c'est un sub gratuit? Non, non, pas du tout. Ça t'enlève juste un peu de pub partout. Oh merde. Mais non, sur une chaîne de ton choix. Non, je sais plus. 12 euros par mois. Combien? 12. Ah ouais. Mais en plus, tu l'avais dit qu'elle allait oublier. Ah, c'était sûr. Tu l'avais colle. Ah oui. Mais je crois que tu peux le faire à n'importe quel moment, mon Crayon. Donc si tu peux le faire, vas-y. Hein. Ah ouais. Fais-le maintenant, Crayon, parce que sinon, le mois prochain, il y a aussi 12 balles qui vont partir. Je compte sur toi. Je veux que tu le fasses maintenant, Crayon. Fais-le maintenant, s'il te plaît. Voilà. Il a les bons mots, voilà. On ne peut pas annuler depuis... Ah, en fait, elle peut pas annuler depuis le téléphone. Ah putain. Ah c'est bien joué Twitch. Et elle a raison. C'est de la merde Twitch, hein, mine de rien, en application, etc. Y a aucune information, c'est mal foutu. Même si tu veux regarder ton propre stream, c'est mal foutu. Ouais, et puis les paramètres de stream aussi sont hyper chiants à gérer et tout. Ouais, rien vraiment c'est de la merde. Hein. Voilà, on va aller chez Kik. Hein. Ah d'ailleurs la dernière fois j'étais en train de fouiller un petit peu sur des chaînes etc, des chaînes Twitch etc. Je suis tombé sur un gars pour sa vidéo de bande annonce. Il a fait il a fait une genre de bande annonce où est-ce qu'il dit bah en fait je suis plus sur Twitch, je suis sur Kick maintenant, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Kick. Que le report. Non bah non, mais en fait il expliquait justement dans la vidéo que genre du côté de Kik, il s'était fait aider par la modération de Kik, etc. Machin, qu'ils étaient là pour l'aider, etc. Et que Twitch l'avait jamais aidé. Donc du coup, qu'il restait sur Kik. Ouais, ouais, mais c'est pas un peu éphémère ça, franchement. Bah même Twitch, c'est déjà instable. Je sais pas, j'en sais rien. Il y a Loïc qui demande... quand est-ce qu'on fait notre big match? Franchement les gars, moi je suis pas prêt du tout. Hein. Bah moi non plus je suis pas prêt. Mais je pense toi, que... une équipe qui commence à ressembler à peu près à ce que tu veux, mais moi... Ouais c'est ça le truc, c'est que moi j'ai déjà ne serait-ce qu'un attaquant qui tape presque du 4000 constant. Donc c'est pas très équitable tu vois. Que Brie c'est pas encore réellement vers quoi il va partir, donc... Il garde encore ses esprits techniques, tout ça. Donc pour l'instant, c'est pas très équitable, donc vaut mieux pas, partir sur un match maintenant. Ça va venir, ça va venir. Ouais, je pense qu'on va faire ça, mon Loïc. Genre, on fera une fois qu'on aura
je sais pas, double esprit technique sur certains persos, ce genre de choses, que ce soit à peu près équitable et qu'on puisse réellement s'amuser, parce que là, pas que je veuille dénigrer mon Brie, hein, parce qu'il est bon, mais je pense que là, ce serait à sens unique, rien qu'avec mon Vladimir. Tu peux dire que tu vas m'enculer, y'a pas de soucis. Savoir être honnête. Ah, 5 pièces, ça y est, on peut prendre Hurley. Let's go. On pourra pas prendre Jordan. Hurley ou Jordan ? Jordan. Choisissez en premier. Ah bah non, okay. Jordan, je peux pas, faut le Prestigious Trophée. Ah. Merde. Bricouille. Covid, quoi ? Non, bricouille. C'est ah, Crayon qui a dit ça. Super. Allez, on prend Hurley. Et lui, il a un tuba et il coule. Let's go. Hurley. J'ai juste affaibli son esprit guerrier, let's go. Bam. Magnifique. Et là, pareil. Racaille. Racaille, évidemment. Racaille. Mais en fait, les gens, ils aiment bien ton pseudo, genre. Ils aiment bien le modifier. Britoui. Je sais pas. Ils aiment que la première partie, juste Brie. Après le reste, c'est acheté. Après, ça vient de quoi, Koro ? Brie Koro, c'est pour Koro-sensei ? Avant, mon tout premier pseudo, c'était Koromichi, donc c'est tout. C'est juste ça. Koro Michi. Mon deuxième si. Michi. Michi. Ah. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'était ça. Non, c'est pas du tout de Koro-sensei quoi que ce soit. Hein. Okay. Non, pas du tout. Et du coup, Brie après, comme on a commencé à me surnommer Brie, enfin mes potes m'appelaient comme ça. Du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie de m'appeler comme ça. Et j'ai pris le début de mon ancien pseudo. Et un truc qui est drôle, c'est que mon père, il est connu pour être un bricolo. Oh. Bricoro. Oh. L'esprit guerrier de Brice et Korogon. Ah ouais, du coup. C'est nice, hein. J'aime pas trop, je vous avoue. Oh, moi, je le trouve très stylé. Oh non, Hurley avec la white face, c'est trop moche. Désolé, Hurley. Manque un peu de mélanine, écoute. Pire que ça, hein. Il manque tout. Ah. Rien ne va. L'esprit guerrier de Crayon, bah ça serait Papeterie, du coup. Papeterie. Ouais, Papeterie. En plus, ça lui irait bien. Bien sûr. Ah, genre, il est un peu goofy et tout. Chocolat, c'est bon. Ouais, c'est très évident, là, pour le coup, mon truc. Moi, ce serait quoi, ta neige ? Ah bah, ce serait Chionné, je pense. Pour la neige. Non. Je m'emballe un peu trop. Je sais pas. Ce serait quoi, moi, mon esprit guerrier, les gars ? Ce serait quoi ? La reine des papeteries. Vas-y, vous les avez eu direct pour vous, dès que c'est moi. C'est le gars qui a pas du tout d'ego. Ah, Hurley, t'es moche. Ouais, t'as carrément arrêté de réfléchir. Waouh. Non. Attends, je vais voir. Moi, ce serait Astral. En vrai, Chionné, j'aime bien parce que du coup, c'est la neige et tout. Enfin, la glace, stylé. D'ailleurs, pendant un moment, j'hésitais à me faire une DA un peu neige, etc. Tu non. seras cavalier blanc. Cavalier blanc ? Comment ça ? Cheval. T'es le cheval noir. Ouais, alors. Pourquoi forcément le blanc ? Tu veux être Dadji ? Dadji ? Mais elle a pas des aussi gros bzes que Lova. Ouais, c'est vrai. Eh, ta neige, ça se voit, il aime tant Jiro. Pas tant que ça. Pas tant que ça. En Juanwu. Juanwu ? Quoi ? Juanwu. Ah, l'esprit guerrier de Kao Kao ? La tortue. Oh frère. Ouais. T'es une tortue toi, ça se voit. Ils ont réagi tous les deux au groupe Z. Bah quoi ? C'est vrai ? Moi mon esprit guerrier ce serait Arthur. Moi c'est Griffon. Moi ça se voit, c'est trop Griffon. Ouais. Putain, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance au niveau des drops. Non, en vrai, attendez. On va regarder un petit peu les esprits guerriers. Dans ceux que j'ai déjà croisés, etc.
On va les ranger par éléments parce que vas-y, j'aime bien. Non. J'ai pas envie de jouer ça. Trickster. Oh, si vous me dites que je suis trickster, vous êtes des bâtards. Hein. Quelqu'un peut m'arroser, s'il vous plaît. S'il y a personne qui le fait, tu me le dis, je te le fais. T'es gentil. Les gars, moi je suis. Patate. Ok. L'esprit guerrier de rôti, c'est poli, c'est poulé. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Feng Wang, vraiment? Le roi des cieux. Je lui ressemble, genre? Non. Non. Je le vois et juste non, les gars. Après, il est très stylé, en vrai. Je me souvenais pas qu'il était aussi stylé. Il est stylé, par contre, j'aime beaucoup. Ulgur. Attends. Tout dur. Donc du coup, c'est Glenn, en anglais. Putain, c'est vrai qu'il est stylé, hein. C'est qui l'esprit guerrier de Roti? Alors, l'esprit guerrier de Roti, c'est Smorgul. Mais du coup, non, ce serait... merde. Ce serait... comment il s'appelle? Firebird, là, en anglais. C'est lui, l'esprit guerrier de Roti. Ce serait lui, du coup, l'esprit guerrier de Roti, là, les gars. Parce que c'est un oiseau de feu, donc un poulet rôti. Alors moi, j'ai mis Vicious Dragon Viritra. Et coucou, mon Lera. Et mon Lera qui vient pour faire un point d'exclamation FC. Ah ouais, il veut check, il veut flex. Ouais. Attendez, parce que ici, on s'est arrêté là. Moi, c'est Pondragon, genre. C'est Arnaud qui a demandé. Ah. Oh, le point d'exclamation jeu. Crayon a fait point d'exclamation du jeu. Ça marche. J'aime bien Asura. C'est vrai que Asura est stylé. Je l'ai pas encore croisé, mais c'est vrai qu'il est stylé. J'aime bien. Asura. Je préfère Dorus, hein. Enfin Dorion. Ah ouais, Zia Asura, putain, ça va être stylé, hein. Ouais. Ça va être très stylé. En plus, du coup, techniquement, ce sera qu'un seul joueur qui l'utilisera. Ouais. Toi, Loïc. Loïc, du coup, vu que ta PP c'est torche, il faut déjà un truc de feu et un truc attaquant. En vrai, je vois plus Apollo que Surt pour torche. Tu dirais quoi, toi? Mon pour qui? Pour torche. Torche, tu verrais plus Apollo ou Surt? Ouais, Apollo. Ouais, je suis d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Ouais. Est-ce que ce serait pas Firebird? Ce serait... Ah, quoique Feng Wang, je trouve que ça lui irait bien quand même, avec les cheveux rouges, etc. Ça irait bien. Fais point d'exclamation raid, crayon. Comment ça? Elle fait point d'exclamation avec tout et n'importe quoi. Ah, d'accord. moi, ce serait Raiden, parce que j'ai autant de barbe, ça se voit, non? Regardez. Oh, par contre, il est stylé, hein. Il y a un gros bide, mais il est stylé. Le gros bide. en vrai, en esprit guerrier de gardien. Eh, hey, mais je suis roi blanc ou roi noir. Roi du coup. Ah putain, ouais, ce serait plus lui. Oh là là. Mais moi, il y a rien qui me correspond. Comment ça pour l'exclamation donut, mais... Marge, donut. Ah, rien qui me correspond, les gars. Dans les commentaires de la VOD, n'hésitez pas à dire à quel esprit guerrier je pourrais correspondre. Ouais. Ça quel est ton sympa. Esprit guerrier? Les gars, moi, je suis pas chionné, je suis garda. Fais un test Facebook. Quel est ton esprit guerrier? Après, j'ai peut-être une soul, moi. Oh. Non. Super. Ouais, vraiment. Super, le Fury. Bon. Wesh. Albata. ouais, non, en plus, ah la oui, plupart, c'est soit... Ah oui, je vois Raison Tenchu aussi, moi. Ah bah, la plupart des trucs sont pas intéressants, en fait, hein. Et Vera, tu me verrais bien. Ah, parce que c'est un singe, bande de bâtards.
point d'exclamation Mifi, point d'exclamation Lulu, point d'exclamation Reddit. Mais après, il est musclé, les gars. Hein. Et Vera, il est musclé. Comme moi, hein. Comme moi, ça se voit. Hein. Ça se voit, les gars. Il faut les points d'exclamation avec tout, n'importe quoi. Au secours. Putain. J'ai fini. Les gars, moi aussi, je suis musclé et tout, genre comme Vera. Ouais, t'es exactement le même. Ah, le même, hein. Tout pareil. Le même. Exactement. Tout le même. C'est vraiment lui. Ah, il y a mon chat. On peut mettre Orléans en robe au pire. Vous voulez voir mon chat? Est-ce que vous voulez voir mon chat? Tu veux voir mon chat? J'ai juste un oui dans le chat et je vous montre mon chat. Il vient de rentrer dans la chambre. Pour l'exclamation brioche, c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais Vera, il a du muscle, mais pas de cerveau, donc le même parfait pour toi. Oh le bâtard! Qui a dit ça? C'est Rage. C'était sûr. Coquin. Coquin de Rage. Je suis là pour le chat. Ah bah oui, forcément, un crayon. Attends, je mets un but et je vais te le chercher. Hop. Hop, il est juste là. Oh, en plus, il est en train d'avoir peur. En fait, il y a Mathial qui est parti. Et elle est partie avec son chat, sauf que le chat de Mathial fait un peu peur à mon chat. Donc du coup, là, il est en train de réinspecter absolument toute la maison pour vérifier que l'autre chat n'est pas là. Ah oui. C'est un peu mignon et un peu triste en même temps. Je vais chercher mon chat, j'arrive. Il est raciste. Écoute, techniquement, je peux la jouer, là. J'ai mon 11 de base. Mais je suis pas convaincu. Le chat, vous voyez pas très à l'aise à bras, les gars. C'est le chat. Ah, puis en plus, c'est archi Pegasus Red. C'est relou. Ouais, non, il veut s'en aller. De la défense, je pense. Je sais pas si c'est archi Oui, pauvre Mino. Non, mais non, ça va. Il a eu des câlins, il est de nouveau heureux. C'est bon. C'est bon. Il s'appelle Max, ouais. Crayon. Il s'appelle Max. C'est mon chat Max. Max, il y a Crayon qui dit qu'elle t'aime. T'es content? Wow. Il est en train de se gratter l'oreille, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Ma meuf. Bon, je pense, en même temps, c'est un beau gosse. Hein. Les milieux défensifs, on leur met un Kishin défense ou... Je dirais, ouais. Je dirais. Et coucou mon Gozox, qui dit 0-0. J'imagine que c'est le résultat de la France. C'est le cas. Wow. Brice se fait voler sa meuf par un chat, mais vraiment. Vraiment. Ouais, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Tu tiens pas à ta meuf? Un chat, je peux pas rivaliser, les gars. Ouais, c'est vrai. On est pas compte. Après, en vrai, Max, il pue du cul, c'est impressionnant. Non, mais. Ah. J'adore mon chat, mais. En fait, il se lave trop, mais il pue de la gueule. Ah oui, d'accord. Il pue de la gueule, ce con. Donc du coup, ça fait qu'il pue de la gueule, mais de partout. C'est pour ça que j'ai pas ce problème-là, je me lave pas. Il y a pas de question de dribble, du coup. Me dites pas que c'est parce qu'il est malade, parce qu'il pue de la gueule. Hein. Non, on a été faire les tests, etc. Il y a aucun souci, il est pas malade. Il va très très bien. Mais du coup, tu demandais, mon Brie? On met pas de Kishin de dribble, du coup? À personne? Bah si, pour les milieux de terrain, mais du coup, plus les latéraux, etc. Et en vrai, tu mets plus des trucs comme Super Strato pour booster la vitesse ou ce genre de choses. Après, je dis peut-être de la merde, il y a Loïc dans le chat, il pourra peut-être plus t'aider que moi à ce niveau-là. Je t'avoue que moi, je te dis d'utiliser des milieux défensifs, etc. Ça se trouve, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Hein. Non, ça se trouve, tu dis de la D. Hein. Ouais. C'est ma façon que j'ai de voir la stratégie. Après, je pense que il y a des trucs plus intelligents à faire que ce que je te dis de temps en temps. Hein. Moi qui joue Sandman pour boost la vitesse de passe. Pour boost la vitesse de passe. Ah ouais. Ah oui, c'est... Ah ouais, c'est très précis. Oh, ouais. Elle fait l'emote cœur, chaque cœur. Ah bah, Loïc dit comme moi, il faut bien 5 défenseurs. C'est bien ça. Ok. C'est bien ça. Bah voilà, comme quoi. C'est bien avec la formation... Bah attends, je vais la montrer, ce sera plus simple.
Comme ça, mon Loïc pourra nous dire directement. Hop. Dès que y a une pause, je te montre mon Loïc pour que tu confirmes que c'est bien le bon truc. Hop. J'aime bien avoir confirmation de Loïc. Je me sens frais du coup après. Hop. 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 Moi j'ai un chat dans ma cave, il s'appelle Shadow Chacha pour les intimes. Comment ça t'as un chat dans ta cave? Non mais c'est vrai. C'est-à-dire. Je vais dormir à demain pour le vote trop cool. À demain crayon, bonne nuit. Des bisous crayon, bonne nuit. Je vais te montrer la formation. C'est bien Shining Light qu'il faut mon Loïc. Donc avec les trois défenseurs ici et du coup les deux milieux défensifs du coup ici. Oui, nice, let's go. Tu vois, je dis pas de la merde hein. Magnifique. Moi aussi j'en ai un dans ma cave. Comment ça mon kin? Mais je comprends pas ce truc de chat dans votre cave. Faut les laisser sortir les gars. C'est horrible. Après tu peux aussi jouer autre chose si t'es confortable. Oui, j'imagine qu'il y a pas mal de trucs possibles. Hein. Mais pour cette formation, j'imagine que c'est plus intéressant et entre guillemets intelligent, je sais pas. Moi je joue Zan, oui, et j'ai copié Kappa. Ah, j'ai jamais vu Kappa jouer. Hop, je connais que très peu. Hein. Mais Kappa, de toute façon, on le voit de partout. Hein. Il est ouais. Trop fort sur tous les jeux. Ouais, il est trop fort. Oui, il est confiné parce qu'il a une maladie qui se transmet, mais dans une semaine, c'est fini, il pourra monter. Oh, d'accord. Et comme j'ai un autre chat... Oh, d'accord. C'est chaud, ça. C'est mi-mignon, mi-triste, mi-mignon. Ouais. C'est vraiment triste. Ouais. Bon, si dans une semaine, c'est bon, il n'y a pas de souci. Hein. Mais du coup, ça fait combien de temps qu'il est dans la cave? Parce que ça se trouve, tu sais, ils l'ont mis dans la cave avant de savoir, tu sais. Non, il est bien dans son 9 mètres carrés. Mais comment ça? Laissez sortir les chats, ah. C'est fou. Il a autant d'espace que moi. D'espace que toi? C'est quoi? De quoi? 9 mètres carrés. Ah, d'accord. Je pensais que tu parlais dans le jeu. Je comprenais pas. Non. Il fait quoi, Apollo? 13 ans. Un espace aussi petit qu'un appart à Paris. Bah du coup aussi à Montpellier apparemment. Montpellier un peu plus. Ouais c'est ça. Ça m'a donné faim tout ça. Oh. Attends, j'ai mangé une de ces pizzas mon pote. Oh là là. Tu m'en demandes pas plus sur ma pizza. D'habitude, tu demandes ce que j'ai mangé, tout ça. Finalement, ça t'intéresse. Tu me regardes plus. Putain. Moi, j'aime bien quand on me demande des trucs. Excuse-moi, j'étais en train de réfléchir. Tu me regardes plus. Mais si. Elle était à quoi ta pizza, hein? C'était une 4 fromages. Ok, il y avait quoi comme fromage dedans? Alors, il y avait du chèvre, il y avait de... Je crois que c'était de l'emmental, il y avait un peu de bleu... Non, je sais plus si c'était du bleu ou du roquefort, je sais pas trop faire la différence. Pas trop faire la différence. Je suis un peu nul en fromage, mais j'aime bien. Je suis nul, mais j'aime bien. Ouais. Moi, je mange, c'est tout. Je commande bientôt un PC. Enfin, tu t'y connais un peu en PC? Si oui, tu peux me dire si c'est bien. Je m'y connais, mais seulement dans les PC d'il y a 2 ou 3 ans. Ah oui. Ça va.
C'est comme Poulpe, il y a très peu de temps, il m'a envoyé un message vocal en mode « Ouais, est-ce que tu peux m'aider à faire la config de mon PC et tout ?» Je lui ai dit « Bon bref, je sais plus. Je sais plus. » Oui, c'est vrai que c'est un peu random. Alors, attends, est-ce que tu me transmets ta luck ? Ouais. C'est le moment pour récupérer l'ampoule. Allez. Vas-y. Sur ce doigt, les gars, il y a la chance de Brie. Regardez-moi ça. J'appuie sur... Attends, je sais pas si OK, ça va rentrer. Il y aura rien. Hein. Sur ce doigt, il y a la luck de Brie. Merde, ça marche pas, il faut avec la souris. Sur ce doigt, ça va marcher. Putain, t'as pas de luck, mon ref. J'ai rien eu du tout. J'ai rien eu du tout. Oh oui, rien. Il y a rien. Le pire, c'est que j'ai eu une pièce rouge. Ça pique, ça pique. Je me suis fait chier dessus par le jeu. Vraiment, t'as fait ce match pour rien. Si, t'as fait un peu d'XP. Ouais. Ah, et il y a Gozox qui demande si toi, tu t'y connais un peu en PC. Non, par contre, tu peux demander à Tutur au pire. Ah, Tutur, il s'y connaît ? Ouais, Tutur. Ah, bah du coup, Gozox, tu sais à qui demander. Mais en vrai, si tu me mets la configuration devant les yeux, je pense que je peux m'en sortir. Mais si tu me dis, ouais, je veux faire ci, ça, qu'est-ce qu'il me faut comme composant, je saurais pas te dire si ce qui est bien ou pas bien. Hop. Du coup, la team, pour l'instant, elle ressemble à ça. Attends, j'ai envie de voir. Ok. Attendez, on va passer big. Hop. Vas-y, monte ta team, du coup. Donc, t'as un petit fake. Ah bah, je vais te laisser présenter. Vas-y, vas-y. On a un fake qui sera Mixmax avec Big. Elle qui sera Mixmax avec Kala, c'est ça ? Ouais, ouais. Lui, faudrait que je lui trouve un bon Mixmax, mais je lui ai mis lui, comme Keshin. Parce qu'il augmente de 30% le speed. Attends, c'est de 30 le speed. Tout ah oui, oui, oui. Voilà. Ok. En plus, ça lui va bien. Ouais, ça lui va bien. Lui, pour l'instant, il a... C'est Pégase normal, ouais. Il a Pégase normal, mais je sais pas ce que je lui mettrais. J'aime bien. Du coup, Super Strato. Hein. Ouais. Bon, lui, il garde Maestro, parce que bah, c'est Maestro. Hein. Pas le choix. Ah ouais, tu vas rester sur Maestro ? Je pense, ouais. Parce que tu peux quand même lui mettre Opal, quoi. Tu penses que ça lui irait bien ? Je pense que ça lui irait très très bien si tu le... Avec Zougué, peut-être. Bah ouais, c'est ça, tu mets avec un perso que ça peut être stylé et ça peut être très très cool, hein. Eux, je leur ai mis ça. Ouais, à mes deux au milieu. Attends. Et je les mettrai en mode Dark. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Ah, t'as mis la Shadow Défense ? Je suis pas sûr que ce soit... Bah écoute, j'ai pas mieux pour l'instant, donc on verra, mais... Ok. Sur lui aussi. Mais j'ai pas mieux pour l'instant. Eh hey, mais c'est Shadow of Orion ou quoi là? Bon bah lui il est plus à présenter bien sûr. Ah attends parce que moi je suis encore sur le Arion là. Ah oui oui. Ok t'as mis le petit Berserker sur Aitor, ok. Lui il a Drake en Omega. Avec okay. Oh lolo, regardez-le, putain. Ok. J'avoue que je suis pas extrêmement fan de Yel, mais je peux comprendre que tu l'aimes bien. Gabi, il faudrait que je trouve quelque chose à faire, mais Gabi, il y a moyen qu'il soit pas là. Hein. Il y a moyen qu'il soit remplacé par quelqu'un, parce que je suis pas... Bref. Et le gardien, ce sera Saturne pour l'instant, mais je suis pas convaincu non plus. T'es pas convaincu non plus ? Pour les gardiens et par Gabi. Mais les autres, ça va. Ben, Arion, j'aime bien plutôt mettre Mixmax Tenma, mais bon. Mixmax Alors, Tenma. Pourquoi je mets pas de. Oui, Mixmax Shu, Test4. Test4, ok. Ok, ok. Mais. Alors, j'aurais pu mettre des persos secondaires de chez. Bidule, là. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous attaquants, donc. Mais je mettrais certainement lui. Perso secondaire de chez Bidule. De chez Ragnarok, là, comment il s'appelle? Ah, la New Gen. La New Gen, ouais. Je mettrais peut-être Zeto et Yu. C'est tout. Ok. Ah bah justement, voilà. Je viens de récupérer la balle à Zeto, là. Comme quoi. Voilà, et du coup, ouais, je vais regarder MP, mon Gozox. Je regarde.
Alors, attends. Alors, un petit SSD. Tac, tac, tac. À 111 euros, un SSD, pardon. Ah ouais. Et attends, je vois pas le... Attends, il est vachement cher, ton SSD. Quoique. Non, attends. Non, 111. Je sais pas si j'ai autre chose. Non, ça me paraît ok, en fait. Couleur master... 230 watts ? Non, V, pardon. Ils sont où les watts ? Bah, s'ils sont les watts. Bah, c'est ça ? Watt, c'est V ? Je sais plus. Non, c'est W. Bah ouais. Pourquoi on voit pas les watts ? Ah, mes couleurs... Mais attends, mais je suis un vrai gaulement, là, ce soir. J'arrive pas à me concentrer. Ah non, voilà, c'est 650 watts, ok. C'est ok, ah, tout dépend de la carte graphique. Merci. Carte graphique, ici t'as une 3070, c'est la même que moi, en RTX, c'est la même que moi, donc c'est très bien. Avec un Ryzen 7, c'est un peu moins bien que moi, mais c'est de quelle génération? 5700G. Voilà. C'est un AM4, ok, ça va. En vrai, le processeur est moins bien que le mien, en sachant que je l'ai pris il y a à peu près 2 ans. En sachant que c'était vraiment le haut du panier au moment où est-ce que je l'ai pris. Donc en vrai, ça va. Par contre, pour ta carte mère, Gen 3, j'avoue que je connais très peu, donc je saurais pas dire. Mais pour la carte graphique et le processeur, t'as fait un bon choix. L'alimentation, c'est ok. Le boîtier, je t'avoue qu'on s'en fout un tout petit peu à partir du moment où est-ce qu'il rafraîchit bien, il n'y a pas de souci. Au niveau du refroidissement, t'as juste pris des ventirades comme ça. Je sais pas si ça va suffire à un refroidissement comme ça. Faudrait peut-être plus du water cooling ou un truc comme ça. Parce que les AMD, c'est des processeurs qui chauffent très 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 vite. Donc il faut vraiment quelque chose qui refroidit bien. Sauf que les ventilateurs, c'est pas le mieux, honnêtement. Enfin, en tout cas, de ce que je sais de l'époque, c'était pas le mieux. Peut-être que ça a changé actuellement. Surtout que c'est un Be Quiet. Donc c'est quelque chose qui va plutôt privilégier le peu de bruit, donc qui fait pas de bruit, plutôt que de la qualité, donc c'est un peu dommage. Surtout si tu prends de l'AMD. Voilà mon avis, mon Gozox. Désolé, du coup j'ai pris... J'étais à fond dedans. Non, vraiment, vas-y. Non, en vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas replongé un tout petit peu dans les configurations PC. Donc, c'est un truc que j'aurais peut-être bien aimé faire, ça, de la construction de PC, etc. Ça aurait été sympa. Mais bon, il y a tellement peu de place pour beaucoup de demandes, donc ça sert à rien. Je change le refroidisseur alors. À mon avis, oui. Après, je pense que, comme le disait mon Brie, Tutur pourra plus t'aider que moi, mon Gozox. Ouais, il est vraiment calé. Ouais. Donc, si Tutur est vraiment calé, vaut mieux que t'ailles voir Tutur pour avoir des conseils plutôt que moi qui ai des idées d'il y a 2 ans, tu vois. Genre, je me suis pas renseigné depuis, donc. Voilà. Ça se trouve, ce que je dis, c'est complètement obsolète. Maintenant, le water cooling, c'est de la merde et il faut absolument des ventirades. Voilà, quoi. Oh putain, par contre, les défenseurs, ils sont forts. Hein. La new gen, les défenseurs, ils récupèrent toutes les balles, hein, c'est impressionnant. Oui. Non, mais plus on avance et plus ils sont chauds dans... Ouais. Dans le jeu, ils font leur passe vite et tout, c'est abusé. Et surtout, ils ont leurs stats les plus importantes boostées. Donc du coup, tu te retrouves, si t'as pas augmenté ta team, bah avec des trucs complètes, complicados. Ouais, c'est ça. Après, j'avais oublié, mais c'est vrai que je voulais Garnet en défense, météo. Ah oui! En vrai, avec un bon Miximax, il peut être vraiment intéressant. Ouais, j'avais pensé à la capitaine des Nayali aussi. Ah, comment ça s'appelle? Plink. Plink, ouais, ok. Putain. Ouais, c'est pas mal.
Par contre, je vais réussir à faire le 5-0 ou... Tu t'es trompé de carte graphique. Pourtant, c'est le seul truc avec le processeur où est-ce que j'étais d'accord. Comme quoi. Ah. Comme quoi. Hop. Je vais mettre une 4070, pas une 3070. Après, fais attention parce que t'as pris que du... Attends, tu m'as dit... Ça dépend de la carte mère que t'as aussi. Ouais, déjà la carte mère et aussi l'alimentation. Parce que l'alimentation fait tout, enfin fait tourner littéralement ta carte graphique. Si t'as pas une alimentation assez forte, ta carte graphique, elle sert à rien. Bah oui, voilà. Comme tous ces ordi préfets qui ont. Ah. Qui ont des cartes graphiques de malade mais qui ont que du i5 dedans. Bon. Ouais, bah ouais, ouais. Ah oui, tu m'as dit c'est une 650 watts. T'as. T'as truc. En sachant que. Attends, moi j'ai quoi comme alimentation? Attendez, faut que je regarde. Et plus le temps passe et plus je trouve qu'il ressemble à Paolo ce mec. Je crois que j'ai une 650 watts aussi. Donc, ça, si tu passes sur un modèle supérieur, ça risque d'être compliqué, mon Gozox. Hein. Après, ouais, non, je. En fait, j'ai pas envie de trop m'avancer. Non, demande à Tutur et lui, ouais. Il saura vraiment. De toute façon, il te dira cash si ça va ou pas. Ouais, ouais. N'hésite pas, il fait pas peur. Ouais, il est sympa, et puis même vous avez déjà discuté ensemble, donc je vois pas... Oui, il était hier sur Gozox, donc ouais. Bah oui. Oh, et Thor qui a niqué une attaque Saul. Ah ouais. Oh nice. Dangereux ça, et Thor. Allez, plus que deux buts pour le 5-0. Par contre là, si j'ai pas l'ampoule cette fois-ci, faut aller se faire enculer, hein. Ouais, je crois que c'est la quatrième fois que je fais ce match. T'as mis tes treasure pendant. Ouais, normalement je l'ai sur Terry et Vladimir. Putain, c'est chaud. Ouais. Ouais. Putain, sur le match d'avant, j'ai eu zéro truc plus une pièce rouge. Pour alors que j'ai mes deux treasure pendant. Vraiment, vrai. La chance, elle est pas du tout de mon côté. Malheureusement, ça arrive. Ouais. On va passer ici. Tac, tac. Non, un truc que j'ai envie de changer sur mon PC, c'est le boîtier. Parce que mon boîtier, en fait, il est beaucoup trop hermétique. Enfin, en soi, c'est bien qu'il soit hermétique, mais vu qu'il y a beaucoup de ventilation à l'intérieur, c'est pas terrible. Du coup, j'aimerais bien avoir un plus gros boîtier, et en même temps, ça permettrait de faire respirer un peu ma carte graphique qui est tout enfermée dans le boîtier. La joie. J'aimerais bien. C'est peut-être un des prochains achats que je vais faire. Mais là, il n'y a pas longtemps, enfin du coup aujourd'hui, je me suis enfin acheté mon bureau monté-descend. Oh, trop bien. Ouais. Ça. Ouais, ça c'est trop bien. Bah en fait, genre j'ai la planche que j'utilise déjà là actuellement, qui est en soi une planche de table, littéralement. que j'ai récupéré, je crois c'est le copain de ma mère qui a récupéré ça et m'a eu là où est-ce qu'il habite. Et du coup, ça faisait longtemps, j'avais envie d'avoir un bureau monté debout, parce que quand je fais du montage, etc., genre je me rends compte que de plus en plus j'ai besoin de me lever de temps en temps, genre marcher un tout petit peu quand j'ai des idées, etc. Donc ça pourrait être bien, juste t'appuies sur un bouton, tu te lèves et tu continues à faire ton montage, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, c'est sûr, t'as raison. Et puis... Ouais, et puis même juste... rien que... Imaginons, j'ai envie de faire un live Wii Sport. Bah, je mets le bureau en haut, je suis devant, vous me voyez bien, ça change pas le cadre, magnifique.
C'est grave bien. C'est grave bien. Trop bien, vraiment. Ouais. Donc du coup, là, aujourd'hui, je me suis acheté juste l'armature, tu sais, pour pouvoir faire que ça monte et ça descend. Et, ouais. Et ça devrait arriver d'ici... je crois que j'ai vu lundi, mardi ou mercredi, un truc comme ça. Et j'ai l'ampoule. Let's go. Let's go. Ah. Enfin. Let's go. On va y attendre. Hein. Ouais, vraiment. Aïe, 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 enfin. Ah, je suis content. Ah, là, je suis bien. Là, ça fait plaisir. Ah, je bouge plus. Comme quoi, il fallait que je raconte un petit peu ma vie pour, pour faire venir la chance. Toujours raconter sa vie. Putain, je me rappelle, l'époque, quand je faisais vraiment tout le temps mes lives à 20h30 avant de travailler à Pôle emploi, des fois, je faisais des lives, juste je lançais en just chatting et je discutais avec les gens, je racontais ma vie. C'était trop bien. Bah c'était oui, trop, trop bien. C'est-à-dire que t'as un lien, c'est cool. Bah ouais. Vois, ça fait du bien juste de parler, quoi. C'est vrai. C'est, bah, c'est avec la commu, là. La commu, vu d'un nom. Oh, voilà, commu. Oh ouais. Alors, attendez, il me faut la liste de tous les persos qui ont un Keishin, parce que sinon, ça va pas être intéressant. Ouais. Attention, hein, ça c'est... Tu t'embarques dans quelque chose... Ouais, bah ouais. Une fois que c'est fait, t'es bien. Hop. Bah, faudrait que... Moi, j'ai trop envie, c'est d'avoir tous les maillots. Toi, tu l'as fait, mais je l'ai pas fait personnellement. J'aimerais bien le faire. Ce serait sympa. Ouais. C'est sympa. Anthropic Arrows. Oh. Cool. Et on arrive à Phalam Orbius. Let's go! Je pense que c'est là qu'on drop le truc. Alors là, lui, le G, bêta G. Ah, attends, dans les cerfs blancs. Est-ce que j'ai de quoi recruter les cerfs blancs? Ah non, j'ai pas le truc de cerf, donc non. Protocole Omega, là, j'ai déjà récupéré. Ici. Ah, dans les sculptures de. Tu sais, de Zugeliang, là. Il y en a 3 qui ont un Keishin. Enfin, il y en a 4, dont un qui a un cavalier. C'est trop bien. Oui. Dans l'équipe de Zanark, il y en a certains qui en ont aussi, c'est vrai, j'avais oublié ça. Il y a lui. Normalement... Normalement, tous ceux de l'équipe Excellence, je les ai récupérés. Ça, normalement, c'est bon. Ouais. Ça, de toute façon, faut tous les prendre, donc bon. Ouais. Et ensuite, le dernier, c'est lui. Les fameux Space Alien. Ah, c'est après. C'est Armada XR qui dort, parce que je veux. C'est pas là, en fait. Et coucou, mon Rémi. À ta santé. Coucou, Roxas. Hop. Donc ça, c'est bon. Alors... Maintenant, nous avons. Où est-ce qu'il est? L'ampoule, ça ramène tellement de joueurs, c'est impressionnant. Ouais. Ça fait tout, hein. Tout ce qu'il y a à Phalam Orbius. Ouais, bah. Quasi, ouais. Ça fait Armada XR. Par contre, ils sont chers, les persos de la new gen. Oh là là. Oui. J'ai mis un 750 watts et un water cooling pour voir ce qu'il va me dire. Bah, je pense, honnêtement, je pense que c'est le seul conseil que je pouvais te donner qui était pratiquement sûr à 100%. Pratiquement. Mmh. Donc, écoute. Ah, lui, je peux pas encore l'avoir. Bon, je le mets de côté quand même. Lui, il a Poséidon. Il est où? Ah, je le trouve pas. Dommage. C'est l'équipe de Zanark, celui avec Poséidon, je le vois pas. Ah, je dois lâcher la manette, est-ce que tu veux expliquer à YouTube? Ouais, les gars, quand on entend ce bruit, c'est que je dois lâcher la manette. Je vais bien m'expliquer. Ah, mais en plus, je me suis arrêté pile à côté du perso qu'il me fallait, let's go. Oh. Ouais, du coup, c'est bien tuture, mon Gozox. Va voir tuture. Ouais. Allez, tu vas voir tuture. Allez, va voir tuture. Va voir le vaisseau. Va voir le tuture. Allez.
Putain, le clébard, non. elle me fait Godwin. Ah oh, ouais. Les gars, je vais peut-être avoir des problèmes, mais Arnaud me fait bien rire grâce à une simple musique. Comment ça, tu vas avoir des problèmes parce que Arnaud te fait rire? Ça sent la musique compromettante. Ouais, 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 ouais. Ouais. Est-ce qu'on se trompe? Bon, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité, hein, pour le coup. Ouais. Ah, il y a là. Putain, il coûte vraiment cher. Hein. Earthbeat, non. Pourquoi Earthbeat ça marche pas, les gars? Zeg, zeg, zeg. Zeg, zeg. Trop déçu. Je trouve pas Zeg. J'ai sûrement passé dessus en plus. Je vois plein de persos où est-ce que je suis sûr à 100% qu'ils ont des esprits guerriers, mais j'ai envie de les faire dans l'ordre pour pas me perdre. Ouais, ouais, non, t'as raison, parce que sinon ouais, tu vas vite te perdre. Et même si parfois t'as des trucs, t'oublies les prérequis ou t'as pas assez de pièces, ouais, ça va vite être chiant. J'aurais pas dû faire le ravin d'Okazama alors que attends, j'ai mais fait une attaque Kenshin. Zeke, que je le vois pas premier degré. À moins qu'il ait pas le même nom. Par contre, ouais, je... lui, il a vraiment une gueule de con. Et elle, elle a vraiment une gueule de con. Hein. Les deux là, moi. Qui ça? Viper et Philia. Ok. Je t'envoie MP leur gueule. Vas-y. Je t'envoie. Attends, faut que je zoome un petit peu. Ils sont vraiment... Waouh. Ça se voit, ils vont pas bien dans leur vie. Hein. Ça va pas, les mecs? Non, vraiment. Je crois que c'est l'équipe de Dracul, si je dis pas de bêtises. Mm. Bon alors, Zeke. De quoi? Si tu dis des bêtises, on fait comment? Bah je m'excuse, hein. Ah, mais il s'appelle pas Zeke, il s'appelle Zeke. De Zeke, avec un T devant. Ah ouais, voilà aussi le nom de merde. Ouais, voilà. Les badans. En gros, Arnaud, il met sa playlist, en gros, à un moment, après une musique sympa classique et une chanson où on s'attend pas. Hein. C'est-à-dire? Bah, je sais pas. Oh, les gueules qu'ils ont. T'as vu? On est d'accord? Oh putain. On dirait des ballons. C'est vrai, en plus. Alors, maintenant, chien. Je suis les ballons. Mais de ta peur. Putain. Essaye de choper tous les esprits. Ouais, c'est ça, mon Rémi. C'est ça, c'est ça. Et en même temps, ça me permettra de récupérer les gros joueurs de la new gen. De mettre des gros coups de crâne. Ça, c'est de Rémi. Oh, je vais avoir Leva. Je vais avoir Leva. OMG. Ah. OMG! C'est le big moment, les gars! C'est le big moment! La bonne nouvelle! Ouais! Et quand je dis big, je parle pas de CMDS! Si, justement! Si, si, si! Et si! Tu as raison! Putain, qu'est-ce qu'il a les cheveux longs par contre, le Gaul? Gaul? Je regarde MP. Deluge, voilà, Lynn n'est pas dans le clash, non? Ah, ça m'étonne pas, hein! Ah, Red, je viens de me dire ce... oui. Que c'était la nick. Je viens de voir. Ok, super. Ouais. Bye. Problématique, hein. Vous êtes pas possible. Pas possible. Ouais, hein. Après, si c'est un... Alors, j'ai entendu des remixes, pas piquer des hannetons. Ouais, super. Non, mais premier degré, hein, par contre. J'imagine. Je vais te faire confiance.
Ouais, t'inquiète. Je t'enverrai MP, tu vas voir. Ouais. Non, par contre, premier degré, pendant un moment, j'ai écouté énormément de funk. Et... Oh merde, putain, je peux pas avoir le perso, fait chier. Et à un moment, je suis tombé sur cette musique-là, mais version funk. Et en vrai, elle était banger. Pas mal. En vrai, ouais. En vrai, ouais. Ouais, mais pour le coup, vraiment. Putain, je peux pas l'avoir. Il me manque juste une pièce d'argent. Ah, attendez, est-ce que ici, du coup, il y a d'autres joueurs que je peux récupérer? Non. Eux, ils les ont toujours leur bonus, c'est relou. Sur les totems? Ouais. Ouais, bah ouais. Les gars, on récupère l'OVA! Let's go! Elle est très forte, elle fait des grosses valeurs. Des très grosses valeurs. Ah, mais j'ai récupéré Atlanticus en même temps, let's go, ça c'est parfait pour mon Terry. Nice. J'aurais voulu sortir une super tactique là pour l'enlever, le Saul. Ah ouais, Berserk machin, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Ouais. Attends, mais du coup, l'OVA et les bois, oh merde. Oh, déçu. Oh, dommage. J'aurais bien joué premier degré. Oui, les bois, oui. Mais faut mettre le truc de Darren. Donc... Oh, l'armure d'Atlanticus, elle est nulle. Oh, elle est nulle. Après, c'est pas parce qu'il y a plus fort qu'il faut forcément jouer. Ouais, mais l'autre, ce serait Las Vegas en R, quoi. Mais non, il y a Dadji. Dadji et R? Ouais. Sûr de ce que tu dis? Ouais. Dadji et R? Ouais. Attends, je l'avais, Dadji, pourtant. Mais elle est où, Dadji? Je l'avais. Putain, il a perdu Dadju. Behemoth, Lovelet, Majin, Rita, non. Où est-ce que je l'ai foutu? Je l'ai pas mis à un autre perso quand même. Il a perdu. Ah si, non, c'est vrai, je l'ai mis... Oui, c'est vrai, elle est R. Voilà. Ah, je l'ai mis au Miximax de mon Terry, d'ailleurs, qui est bientôt niveau 99, donc je pourrais bientôt faire la fusion avec mon... Avec mon Terry, ça va être pas mal. Et merci mon Rémi qui remet un autre à boire, à ta santé. Merci le R, c'est le S. Et j'ai presque fini ma canette. Oh. Un peu triste en vrai. Un peu triste. Y'a de quoi? Y'a de quoi? Putain ouais, ça va être grave bien. Ça va être grave bien, la petite Dadji là. Ma maman. Putain, il fait une victory road. Comment ça? Il temporise comme un enculé. Je regarde. Ah oui, mais c'est vrai, même Dadji, c'est pas terrible. Hein. Ah ouais. Ouais, bah je vais t'envoyer, ça fait pas... Ouais, non, c'est pas... Surtout avec Terry, quoi. Je vais y envoyer à Rage. Je veux dire, mais j'en ai rien à foutre. Mais je le vois à ton stream, ta neige. Oh. Il est con. Ouais, par contre, c'est vrai que Dadji, niveau style, c'est incroyable. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Ouais, bon, bah, hein. Regardez-moi ça. Ouais, regardez-moi ça. Elle est trop, trop stylée. Très beau, très beau. Par contre, Lova, bon, elle a ses arguments, quoi. Lova a ses arguments. Même dans le jeu, elle a ses arguments. Ouais. Putain, à deux doigts de vouloir la jouer, du coup. Ah ouais. Ouais, hein. Putain, elle est vraiment stylée en plus. Oh putain. On n'a pas les... Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça, mon Rémi. Non, mais en vrai, elle est... En dehors du fait qu'elle a des arguments, elle est stylée et elle est plutôt puissante. En plus, c'est la Technician qui booste... Alors, attends. Special move are less likely to fail for the world team.
Donc en gros, tu fais moins de ratés en plus. Ouais. Alors en soi, ça sert à rien, parce qu'à partir du moment où est-ce que t'as assez de technique, il y a aucune chance que tu rates. Je vois. En sachant que ouais, normalement pour un move set strat, en fait tu regardes le potentiel de rater des techniques et tu mets ce nombre pour chacun de tes persos. Ah oui quand même, d'accord. Bah ouais. Bah oui, attends, tu cherches pas à avoir des ratés, tu vois. Ouais, bien sûr. Okay. Par exemple, attends. Ah mais du coup, il faut voir les versions Omega. Mais tu vois, en fait, sur chaque technique, t'as une difficulté. Là, par exemple, j'ai Ivory Crash qui a 42 difficultés. Et ben, il te faut du coup 40 de techniques, si je dis pas de bêtises, pour ne jamais la rater. Ok. Et par exemple, avec les techniques Omega, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. C'est 150 la plupart, donc à partir du moment où t'as 150 de technique, bah à partir de là tu peux pas faire de raté, et donc du coup l'OVA sert à rien quoi. L'OVA. Ah après sinon il y a Goliath, mais Goliath il est nul. Oui vraiment. Donc en fait les seuls choix qu'on a c'est soit Atlanticus, soit Dadji, soit Las Vegas, et Las Vegas c'est encore pire. Ouais non, en R, niveau goal, ça pue la merde. Ouais, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Ah mais attends, il y avait pas un esprit guerrier qui était d'un autre type, mais qui tapait sur l'air à part Varita. Si, il me semble. Bah en fait, je sais plus si c'est Tourment ou un truc comme ça, tu sais. Ça me dit un truc Tourment, ouais. Attends, qui est-ce qui peut l'avoir? Il y a Oculo, donc c'est Os, en espérant que je puisse le récupérer. Os, Colt, je peux le récupérer. Attends, on va regarder. 300 attaque Omega. Ah, c'est possible que ce soit des trucs comme ça, hein. Il y a des chances. Alors, Omega. Attendez. Attaque Omega. Alors attends, où est-ce qu'il est? Ah mais non, mais je suis trop con. Faut que j'aille sur le perso pour enlever l'esprit guerrier avant. Ah ouais, il a R. Ah non, il a Air Blessing. Il est de type R. Il a Air Blessing, mais il tape sur le bois. C'est bien ce qui me semblait. En gros, plus t'as de type R et plus il tape fort, mais ça reste une technique de type bois, quoi. Ok, ouais. Donc je sais pas si c'est le mieux. Attends, je regarde. À moins que ce soit Gilazé, donc du coup l'autre version, mais du coup qui va être de type bois, si je dis pas de bêtises. On va regarder. Du coup c'est ici. Ah mais j'ai pas assez de pièces, ils font chier. Pas assez de pièces. Ils font chier là. Attendez, au pire je vais faire des petits défis en boucle pour essayer d'avoir 3 pièces d'argent. Argent? Putain, t'as plus de pièces argent? Ouais, c'est les pièces d'argent qui me manquent. Ah ouais. Comment ça? Baron, type terre, oui. Technique, type R. Ah! Attends, Baron? Ah oui, mais non, mais Baron, il pue la merde. Ouais, non, mais... Les stats sont nuls. Sauf, bah, puis un Saul, c'est pas viable, quoi. Non, c'est pas un Saul. Non, mais je veux dire... Ah oui, non, d'accord. Les gardiens R. Oui, non, les Saul, ça sert à rien. Oui. Ça sert à rien. Ouais, j'étais en voc avec Rage et Lera, ils ont découvert mes go artistiques spéciaux. Non, mais ils nous en ont parlé, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète pas, mon Arnaud. Ah, et puis en plus, ouais, Dadji, elle tape sur l'herbe. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Bon, Gigabyte Geyser, ouais. Oh, tu l'as pas, Barbarique? Ouais, c'est Atlanticus, ouais. Non, pardon. Non, ouais. C'est pas terrible, hein. Ouais. Non mais oui, on sait que c'est pour rire, moi, Arnaud. J'espère que c'est pour rire, bordel. Non mais on rigole, hein.
J'espère, punaise. Pour ça, ça explique se bourrir. Bah oui, et oui, évidemment. Évidemment. T'es justifié, t'es fou. Bah justement, vaut mieux pas se justifier dans ces moments-là. Bah oui. Sinon, c'est juste suspect, mon ref. Bon, du coup, j'en profite pour augmenter mon dadji sur mon Terry pendant que je fais les défis. Au moins, je fais un 2 en 1. Ouais. Allez, Météo qui rejoint la team. J'ai... Oh, pure pendante! What the fuck? Dans un défi? Putain. Attends, pure pendant. C'est pas l'un des meilleurs? Ah non, pas du tout. Ah, rien à voir. Ok, non, c'est nul à chier. Rien à voir, en fait. Non, j'ai totalement confondu. Vraiment, ça rajoute du 9 en dribble et du 21 en défense. C'est pas du tout le mieux. C'est amazing. C'est ultra nul, vraiment. Incroyable. Putain. Choc barre de baiser. Ah, yeah. Ouais, on va pouvoir aller voir Météo. On est déjà à 23h42. J'ai pas vu le temps passer. Non, pareil. C'était Galaxy. Hein. Ouais, bonjour. Bah ouais, mais bon. J'avais pas eu de pièces en argent pour l'instant. Après, on s'est tapé une barre pendant le jeu. Plein de trucs. Tu m'étonnes, mon Arnaud. Tu m'étonnes que vous êtes tapé une barre. Ouais. Il devait tellement pas s'y attendre. Comme ça. Ça veut dire, des fois, tu regardes sur le profil de Arnaud, tu peux tomber sur lui sur Spotify en train d'écouter ce genre de choses. Ouais, c'est étrange, cette histoire. Ouais. Oh, 5 pièces en argent d'un seul coup. Nice. Putain. Bah voilà, ils m'ont offert le recrutement, là. Quand ça veut, ça veut. Ouais. C'est pour compenser le truc de tout à l'heure. Elle veut, là, elle veut. Elle veut, elle veut. C'est quoi que tu droppais pas? Je sais plus. L'ampoule. Ah oui, et coucou, mon Sitam. Théo, il est seul dans la vocale de l'ISUP. Oh non. Oh non. Nous sommes en stream. Nous allons arriver fort bientôt. Dès que j'ai entendu les premières notes, t'inquiète, mon Spotify est pas lié. Ah, tant mieux. Curieux, quand même. Ouais, non mais... On va rien dire. Ah non, dans tous les cas, ça... Pour Gorgo, ça reste une attaque bois. Bah oui, c'est logique en soi, je suis complètement con. Ouais. T'étais avec lui, mon Sitam. Ah, maintenant, il est tout seul, le pauvre. Vous vous rendez pas compte des dégâts que vous faites, en fait, aux gens, en les laissant tout seuls? Non. Ouais, putain, ça, c'est l'armure de gros molosse. Regarde les autres esprits guerriers, je vois pas quel autre esprit guerrier pourrait être utilisé. Hein. Il faudrait quelque chose d'un peu dark, un défenseur. Faut dormir. Bah si on n'a pas envie de dormir, on fait ce qu'on veut déjà. C'est fou, il faut aller à l'école. Ouais, mais ça c'est pour les jeunes, nous on est des vieux maintenant, mon bruit. C'est vrai, moi j'ai fini l'école. Ouais, bah pareil. Hein. Pareil, l'école, c'est derrière nous. Faudrait que je trie mes plis. J'ai la flemme, donc je balance tout au même endroit. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça que tu te retrouves avec des Erika. Ok, super. Ah, il a dit. Ouais, c'est vrai que je l'ai dit, du coup. Eh bah, il est stylé, Météo, comme ça. Et si on le met le... Nice. Oh, sympa. Ouais, j'ai vu passer ça, mon Sitam. C'était au moment où est-ce que je pouvais pas regarder, mais je serais bien venu regarder ton stream. Je viendrai la prochaine fois, t'inquiète pas, mon Sitam. Je viendrai la prochaine fois. Non, mais en fait, il y a pas d'autres Keishin. Hein. Donc ça veut dire, si tu veux jouer un perso R, j'allais dire un perso O, n'importe quoi. Ouais. Soit t'as pas le stab, soit tu joues Atlanticus, quoi. Ouais, il me semble que c'est Atlanticus, ouais. Bah ouais.
C'est pas mieux. Je pense que dans tous les cas, je mette Tourment. Hein. Donc, non, c'est pas Demogorgo. Où est-ce que je l'ai vu? Où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Non, c'est pas Demogorgo, encore une fois. Ah merde, j'ai perdu mon esprit guerrier encore. Non mais c'est fou ça. On n'entend pas Fort Neige, non? Ah c'est bon. Ah c'est peut-être, je sais pas. Big Moves. Ah mais c'est parce que je l'ai laissé dans l'emplacement du gars, c'est pour ça. Ça fait météo Miximax Anarch, c'est un peu stylé. Attendez, je vais regarder. Big Moves direct, donc bon. Je regarde. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, sympa. Ouais, je pense que je vais mettre du coup Arges. En plus de ça, il a Air Blessing. Donc, si, plus il y a de joueurs Air sur le terrain, plus il est puissant. Ça peut être intéressant. Mmh. Puis c'est vraiment un esprit guerrier ou est-ce que c'est du Golmonditage. Il tape comme un taré et ça dégage le truc. Oui, ça n'a aucun sens ce que j'ai dit. Oui. Ouais. Non, mais j'aime bien. T'aimes bien. Ouais. C'est... Papa. Papa. Bien vous en plus, papa. Et merci mon Arnaud pour ton abat. À ta santé. Intéressant cette histoire. Ah, papa. Tu vas me donner ton Big Moose, Daddy? Je vais faire des Michael, moi. T'as un problème, mon ref. Wonderbar, viens, Wonderbar, donne-moi ta force. Si je me trompe pas ici. Je prends Victor. Mais Victor, il a que un en slow, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'as fusionné avec Wonderbar, ok. Oh putain, le vrai. Oh, l'immondice. Ça a bon, il est moche, sa mère. Il sert à rien, Wonderbar, ça me saoule, putain. Bah oui, mais dans tous les cas, tu pourras pas faire de beau Miximax avec lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Même le chien, il serait pas bien Miximax, putain. Vraiment, hein. Oh, il vous fait chier ce chien de merde. C'est une origine magnifique le jeu. Brico Goat, salut! A chaque fois tu changes de pseudo, genre. Il y a Citam qui te dit salut du coup. Salut Citam! Hop. Oh, j'ai cru que mon jeu il avait freeze. Ça a lancé un match, ça bougeait plus, j'ai eu peur. Non, mais sinon, je pense que je vais partir sur Venom pour Miximax avec Météo. Ça donne ça, donc c'est plutôt sympa, je trouve. Regardez. J'aime bien. Avec l'armure en plus. Très violente, enfin très. Ouais, c'est stylé. C'est stylé. Ouais. Très content. Bon. Je me rappellerai, mais là pour l'instant faut l'enlever. De toute façon, ouais, faut attendre que celui avec qui tu Miximax soit niveau 99 pour pouvoir vraiment Miximaxer. Ouais. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Ouais, sinon, j'empêche juste d'XP, c'est con. Ouais. Ah, du coup, je me retrouve face à Lova. Bah, tiens. Comme de par hasard. Et Citam, en soi, non, on finit pas le jeu à 100%, juste on essaye de se faire une team qui nous plaît, tout ça. Ouais. Pour les mettre pas stratégiques, mais bah bien, quoi. Mm. Ah mais non, mais je fais une passe à un joueur, ça passe à un autre joueur. Je vais invoquer Dadji. Vas-y. Ça sort du cire là, par les tout. Ah, mais du coup, ça fait Dadji face à Lova, c'est drôle. Putain, le moveset de merde qu'il a, Saturne. Oi, oi, oi. Oh, l'immondice. Ah, ça sent jusqu'ici. Ah ouais? Ah, il a All-Star, Catch Boost Plus, Min Right Hook et Main Libérée.
Ouais, c'est vrai que pour lui, c'est pas le mieux. Par contre, Lova, elle sort du 1600, là. J'ai pas pu mettre de but jusqu'à maintenant. Va falloir m'expliquer, là. Je peux pas voir ça, je peux pas. Tiens, j'ai Miximax avec Sinkidea, tu vas rien comprendre, mon gars. Hop. Ça, c'est hop. Un vrai gardien. Voilà, comme ça. Là, avec mon Vladimir, ça va rentrer à coup sûr. Oh. Je prends ma revanche. Si je mets deux Minright Hook, ils peuvent envoyer des sacrées patates. Hein. Si je me trompe pas, ça booste la puissance des techniques qu'il renvoie. Ah. Ça peut être pas mal, ouais. Eh, j'aime bien. Putain. Ah, t'as fait avec Quentin? Ah ouais, c'est stylé. Ouais, c'est pas mal. Bien truc. Moi, être un plus genre... Ah, t'as mis ouais. Des lunettes sur le... C'est Tam, il a mis des lunettes sur le Aphrodite qui fait « Waouh !» Et ça marche bien, en vrai. Ouais, mettez vos points de chaîne, c'est cool. Profitez, profitez. J'ai trop envie de voir la technique de Dadji, attendez. Oh, c'est la même technique. Et il fait du 1500 quand même, hein. C'est pas mal, hein. Mais du coup, attends, ça veut dire que mon Terry, il a pas de technique de Keishin qui sont stabées. C'est un peu problématique. Ouais, c'est malheureux. À part Atlanticus, mais... Brille le fruit random, passe-moi ta luck. Vas-y, vas-y, good luck. Oh, avec Terry, il y a moins de cachets. 5700, bon, je pense que ça rentre là. Je pense que ça rentre sans aucun problème. Toi, il y a moins de cachets, je pense. Il y a moins de cachets, c'est-à-dire? Ah ouais, non, ça marche moins. Ça marche bien. Moins, pardon. Non, Sinkedea, c'est cool. Je pense que je vais rester sur Sinkedea. Essaye avec Ra. C'est le gars qui force. Ça changerait pas tant que ça, en vrai. Bah, il y a les cheveux, quoi. Barrière. Non, non, je veux pas de barrière. Ça va, merci. Mon Rage. Ça va, ça va. Hop. Je vais switch là comme ça et je vais mettre là. Ça, ça va taper bien comme un gros taré là. Ça va être pas mal. De toute façon, je te donnerai ce que tu veux, Rage. Comment ça? Tu lui dois de l'argent ou c'est comment? Je vais te le rendre, putain. Laisse-moi le temps. Non, mais... Je vais mettre Quentin, je vais faire un test, je vais faire une technique qui renvoie pour moi. Mais tu veux pas mettre les émoticônes à l'infini? Je suis là tous les jours. Comment ça, mon ref? T'es en train de... d'essayer de quémander là pour que le truc teste plus de 24 heures? J'ai bien l'impression. En sachant que c'est pas moi qui décide, hein, c'est un truc auto de Twitch. Hein. Donc je peux pas faire grand chose, mon système. Ouais, tu peux hacker Twitch. Tu peux modifier les trucs de base de Twitch. Troisième barrière aujourd'hui, Rage, putain. Go tester, on va envoyer des giga patates. Il va pleuvoir des patates. Il va pleuvoir des patates depuis les caches du goal. Attention. Deuxième cross. M'en fiche, tu mets un roll. Mais les rolls, ça fonctionne pas comme ça sur Twitch, mon Sitam. Les rolls, t'en as que... Alors, t'en as 4, si je me trompe pas. T'as VIP, Modo... comment ça s'appelle, éditeur, et il y en a un dernier, je sais plus. Bah, ça doit être juste créateur. Ouais, oui, artiste, voilà. Artiste, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et aucun ne permet de mettre pendant 24 heures des trucs d'emotes. Genre, c'est tellement cool, précis. Hein. VIP pourrait peut-être, ça serait cool, mais bon. Ouais, mais bon. Mais ils le font pas. Mais moi, créateur, je suis stream. Non, bah non, bah non. Genre non. Ça marche pas comme ça, moi. Vous êtes fou, hein. Vous êtes fou. Allez, allez, mon buddy, sors-nous une patate. Vas-y. Il va pleuvoir des patates. Tu l'as vraiment dit au moment où est-ce que Evera il était en train de charger sa frappe. Ah. Alors c'est gentil mon Rage, mais je joue pas à Bloxroot, donc je m'en fous un petit peu de ta barrière, honnêtement. Désolé, j'ai la musique dans la tête. T'inquiète, t'inquiète. C'est Dripfruit. Dripfruit.
Je la mettrai en ending si vous voulez. J'ai trop le seum. En plus, je strip sur tel. Ah, ça peut être bien, c'est vrai, en ending, c'est vrai. Ça peut être grave drôle. Je suis sûr qu'il y avait vraiment des gens qui l'ont mis en ending, mais genre premier degré. Bah, les streamers Roblox, bien sûr. Ouais, il y a des chances, hein. Pas grave, tu me serviras de stock de fruits. Mais j'ai pas que... En plus, je connais même plus mes codes Roblox. En fait, je me suis fait un compte une fois pour pouvoir faire Doors en live. Depuis, j'ai pas retouché à Roblox, les gars. À quand la soirée Roblox, un coup, un event, chez Bri, au Bri Club, ou chez Tanus World. Ah ouais, d'ailleurs, moi, il faut que je commence à faire des events. Enfin, il faut que je recommence à faire des events sur Tanus World. J'avais mis un rôle et tout à Rémi pour qu'il organise des trucs, etc., qu'il soit animateur sur Tanus World. Au final, ça s'est jamais fait. Parce qu'on a lancé la SUP, tout simplement. Voilà, c'est notre faute, super. Non, mais c'est juste que du coup, on a eu d'autres priorités, quoi. Ouais, tout à fait. Oh putain. Ouais, attends, je regarde ce que j'ai encore. Ah, je veux pas avoir 1000 comptes, mon raid. Je veux pas me refaire un autre compte juste pour pouvoir être ta banque vivante, mon ref. On en parle que je suis. Je suis fidèle plus que la sup. Comment ça? La sup, elle est très très fidèle, y a pas de souci. On est très fidèle, hein. Ouais, ouais. C'est juste que les gens sont... en vrai, merci mon Citam d'être aussi présent sur les lives, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais les gens de la sup, tu sais, ils viennent à un moment, ils font leur vie, et puis ils repartent, hein. Y a pas... C'est pas parce que tu les croises pas qu'ils sont pas là, tu vois. Y a pas un engagement dans le contrat, de toute façon y a pas de contrat de tout court. Mais... Pas forcément. Citam qui est sup dans son cœur. Mais du coup maintenant je dis sup aussi, vous faites chier. Soirée loup-garou en Vogue, les meilleurs moments de ma vie, je préviens. C'est vrai que ça pourrait être pas mal de se faire une petite soirée loup-garou là. Ma. Pourrait être grave bien. Bah en soi. Bah, je pourrais peut-être en faire une la semaine prochaine, comme je peux pas stream. Ah ouais, ça peut être sympa. J'admire cette motivation pour jouer autant de temps de suite sur Galaxy. Moi, j'en serais incapable. Bah, moi et Bri, c'est de l'addiction. Donc, c'est pas la même chose. Il faut. Putain. Il faut ma dose, j'en ai besoin. Putain, merde, j'ai soif. Par contre, mec, pourquoi t'as créé la SUP? Sinon, Rémi serait avec nous. J'ai créé la SUP pour en mettre plein la gueule à la LP et ça a très bien fonctionné. Voilà, je le dis. Nique la LP. Ouais, je suis d'accord. Non, je rigole. En vrai, de vrai, on a créé la SUP juste parce qu'on voulait continuer à être dans le milieu de l'e-sport et on voulait être sûr à 100% de pas se retrouver dans une équipe qui n'y aurait pas de nos valeurs, tout simplement. Donc on s'est dit, au lieu de chercher comme des Gaulmons, on va faire notre équipe. Ouais, non, mais c'est... Vous avez tout à fait raison. Bah ouais, oh, putain. Bien sûr qu'on a raison. Évidemment qu'on a raison. Après Dokkan, Pokérock, voici IO Galaxy. Ouais, mais IO Galaxy, c'était bien avant Dokkan, bien avant Pokérock, hein, pour moi. Il parle des addictions, du coup. Parce que pendant un moment, j'étais addict à Dokkan. Pendant un moment, forcément, Pokérock, tu le sais. Maintenant, c'est IO Galaxy, de nouveau. Peut-être ça va faire des cycles, hein, on sait pas. Ouais, peut-être Dokkan va revenir un jour. Ouais. Je sais pas. Ouais. Chier ce match avec ces règles à la con. Ils ont le droit de mettre leur sable, mais moi, pas mon Kenshin. Putain. Favoritisme à la con. Eh hey, mais attends, le talent de Dadji, il est pété. Dadji? Ouais, en fait, elle rajoute 15 dans toutes les stats pour tous les teammates, à part les PE et PT. Ah, ça peut peut-être compenser après, si t'as des talents et tout. Ouais. Ça peut être pas mal. 15. Et coucou Monkinan. C'est rien comparé à des pourcentages. Ouais, c'est rien, mais sur toute une équipe, ça peut faire la différence, hein.
À ce moment-là, le gardien, il servait de support. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Et merci, mon Kinen, pour ton aboi. À ta santé. D'ailleurs, après ce aboi, ça servira plus à rien de faire de aboi parce que bah, j'aurais fini la canette. À ta santé. Non, la canette, putain. La vie. Ouais, désolé, la canette. Après, si vous voulez, je peux la garder de côté, elle sera dans mon décor. Hein. Je peux faire ça. Hein. Ouais. La fameuse canette. Ouais, en vrai, je sais pas si c'est cheaté ou pas, du coup, Dadji, parce que 15, ça me paraît peu, mais en même temps, ça peut faire la différence, je pense. C'est sûr, donc, ouais. Bah, dans tous les cas, ton Kishin, tu le gardes activé. Mais Bah, c'est vrai que c'est techniquement, c'est l'esprit guerrier que t'actives en premier, hein, l'esprit guerrier du gardien. Ouais, mais il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'il tape sur le bois, quoi. C'est ça aussi. Ouais, mais du coup, tu vois, est-ce que les 15... en plus sur le gardien permettent d'avoir l'avantage directement, tu vois, parce que du coup c'est 15 de plus que ton adversaire. Oui. Kanetsama sacrifié pour nourrir la plante qui nous divertit. Putain, ils sont drôles dans la commu quand même. Bordel de merde. Ils sont doués. Ah, punaise. Attendez, je vais débloquer l'esprit guerrier pour le deuxième Miximax de gardien. Hop. Ah, j'ai déjà acheté 222 joueurs. Aïe, 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 ah ouais. Il va falloir faire un tri. Hein. Ouais, c'est bien trouvé. Reg, il a été intelligent. T'as déjà tous tes emplacements de joueurs remplis? Non, pas encore, mais... 222, quoi, déjà. Ah oui. Ah oui. Ouais, ouais. Tout ça pour en utiliser 11. 22. Enfin, plus. Ouais, ouais. Après, ça tue, je suis pas sûr. À chaque fois, le gardien, je sais pas qui prendre. Moi, tout le monde, ça retourne sur Phobos, mais encore une fois, c'est de l'air. Donc, je me poserai le même problème, du coup. Phobos, c'est terre, hein. C'est terre, Phobos. Ouais, ouais, c'est encore un Majin, j'aime pas Majin. Ouais. En vrai, attends, ma team commence vraiment à être stylée. Ma team commence vraiment à être stylée. Hein. Il manque plus que 3 joueurs et je peux jouer ma team finale. Hein. Oh. Là, il me manque techniquement du coup 3 Bah, il manque juste 3 défenseurs en fait. Parce qu'il y a 2 milieux défensifs. Donc 3 défenseurs. Enfin, il y a 2 milieux défensifs, pardon. Donc 3 défenseurs vu qu'il me manque 1 défenseur. Ça mérite bien un VIP ou un role modo, non? Il continue. Oh yeah. Ah, coucou mon Hugues, comment vas-tu? Ouais, une revanche, oui et non. Encore une fois, je me refais une team fun, donc... c'est pas vraiment pour une revanche. Pour l'histoire, mon Brie, une fois, j'avais fini un live Galaxy où est-ce que je farmais pour ma team fun semi-stratégique. Et j'avais raid mon Hugues, et il m'a pété la gueule. Donc, soyons honnêtes, il m'a pété la gueule. Ah oui. D'accord. Mais en même temps, lui en face, il a une team strat, moi j'ai une team fun. Logique. Ouais. Non, mais il m'a vraiment pété la gueule, c'était largement mérité de sa part. Dans les règles de l'art. Bah oui. Allez, ça va bien, merci, et toi? Ça va très très bien. Ça va très très bien. Après, là, je t'avoue, t'arrives sur la fin du live, hein. Vraiment... Là, on attend encore 5-7 minutes et on va s'arrêter là pour ce soir, le temps que la VED fasse à peu près 1h30. Je pense qu'on fait un dernier match et puis on s'arrêtera là pour ce soir. Qu'est-ce que t'allais dire, mon bruit? Moi, je dis c'est dommage, mais ouais. Ouais, bon, c'est pas grave, ça arrive. Frérot, je peux taper Loïc le top 1 aussi. Bah justement, Loïc, il était là tout à l'heure. Il nous donne des conseils de temps en temps. Enfin, il valide ce que je dis, surtout. Ouais, ça va. T'avais retenu tes leçons, tu vois. Ouais, tu parles de mémoire, mais au final, c'est pas si mal, ta mémoire. Ouais, mais c'est sur les trucs... Non, j'ai pas d'excuses. Hein. T'as juste raison. C'est quand tu veux. Comment ça, c'est quand je veux? Non, non. Comment ça, c'est quand je veux?
C'est quand tu veux, et quand tu veux pas, tu retiens pas. Mais non. Non, en vrai, je suis un peu pareil aussi. C'est quand... Il y a des trucs, quand t'as pas envie, c'est inconscient, hein. Mais t'as un verrou qui dit non, ça rentre pas. Ah bah, je vais lâcher ma manette. Tu veux expliquer à la VOD, mon vieux? Les gars, quand vous entendez ce son, vous allez rire, mais c'est énorme. C'est... Je vais lâcher la manette, en fait. Let's go. En plus, Sitam, il l'a vraiment fait au moment où est-ce que j'étais en train de tirer. À quelques secondes, enfin, même pas une seconde avant, je pouvais pas mettre le but. Oh shit. Vraiment. Il a du bon frère. Dommage, mon Sitam. Dommage, dommage. Bien tenté. Oui, c'est vrai, je m'étais fait aussi péter la gueule par, par Kraft. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, la VOD est dispo sur YouTube. N'hésitez pas à aller, à aller voir. Hein. Au moins... Au moins, il y a du divertissement, hein. C'est vrai. Non, en vrai, je m'amuse beaucoup plus à faire des teams fun, mais stratégiques, plutôt que de me faire des teams vraiment stratégiques, comme, comme celle de Hugues et celle de Kraft. Donc, C'est important de jouer les joueurs qu'on aime et tout aussi, normalement. Ouais. Tu vois les joueurs que t'aimes bien, un peu fort, voilà. C'est ça qu'on aime. Tu t'attaches à ton équipe. Bah c'est ça, et au fur et à mesure, ton équipe, soit tu la modifies un petit peu, soit tu la rends de plus en plus forte. Donc c'est toujours intéressant, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Genre là, mon Vladimir qui tape à chaque fois du 2500 avec... comment il s'appelle? Avec Ombre Plasma. Ombre Plasma, ouais c'est ça. Moi aussi j'ai des teams fun, j'ai Gamma au goal et King en attaque, waouh. Ah oui. Ah oui, là c'est vraiment du full fun là. C'est drôle. Ouais c'est drôle, c'est pas mal. C'est pas mal, et merci pour tout à l'heure que mon Sitam. Merci. C'est vrai que c'est très fun quand même. Mais en vrai c'est vrai que King, il a quand même une gueule d'attaquant, hein, faut se le dire. C'est vraiment le gardien qui a le plus une gueule d'attaquant à mon goût. Tu trouves pas? D'accord. Non, ah ouais? Ça va. Ah ouais? Ça va. Ah ouais? Après, j'ai envie de dire, j'ai jamais vu... J'ai jamais attribué une gueule à un poste, donc peut-être ça aussi. C'est vrai. Merde, je me suis trompé de perso à Focus. À part Axel, par exemple. Ouais, bah oui. Mais bon, là, c'est un peu compliqué de le sortir de son rôle, hein. Ouais, c'est ça. Merci, j'ai fait une équipe où aucun perso est à son poste. Vraiment, il a fait un RP Russie dans Orion. Ah putain, il arrête. Wouah, ça passe directement au joueur en milieu de terrain. Incroyable. On va passer de là, c'est peut-être en hors-jeu. Non, c'est bon, on est bon. Nice. Mais tu vois, en parlant de King, par contre, bah au lieu de Saturne, je vais peut-être jouer King Miximax Quentin. Ça peut être pas mal, mais vu que les persos OG ont la tête écrasée, bah c'est pas terrible. Hein. Bah ouais, il est là le problème. Hein. C'est pour ça, la dernière fois, tu me disais, mais t'attaques que des persos de go. Bah oui, mais bon... Bah, en soi, techniquement, moi aussi, hein, c'est que des persos de go, ou alors des persos adultes. Bah oui, c'est ça, parce que c'est des nouveaux modèles. Bah c'est ça. Je vais comme ça, ce sera pas mal. Bon, là, j'ai pris Orlé, parce que ça va, il est OK. Mais tu sens qu'il y a en dessous des autres, hein, physiquement. Mais bon, on va essayer de passer outre. Je pense que c'est aussi pour ça que t'apprécies autant les persos de la new gen, parce que, bah, ils sont juste trop bien modélisés, genre... Ils sont bien fait chier, hein. Franchement, par contre, dans VR, c'est autre chose. En VR, on a à nouveau le goût des persos. Ouais. Ça, c'est cool. Ça, je suis d'accord. Vraiment hâte que le jeu complet sorte. Hein. C'est... Je pense que c'est mon attente numéro 1 actuellement. Ouais, en espérant que ce soit bien géré, parce que là, cette bêta, elle m'a quand même effrayé dans le sens où... C'est mal géré, hein. C'est très très mal géré. On a beau dire ce qu'on veut. Oh mon Hulk qui sort un explofion, waouh. Je m'y attendais pas. L'attaque, c'est des milieux, défenseurs et gardiens. Faut juste que les gardiens... Non, je pense que chaque perso était juste pas à la bonne place, tu vois. Oh, par contre, le gardien de Ragna, il est compliqué à fatiguer, hein. Laissez-moi récupérer la balle, en fait. Attends, je pense que je vais passer comme ça. Comme ça, mon Vladimir, il bouge. Il va sûrement me voler la balle, hein.
Ah non, c'est bon, ok. Petite invocation. Mon Apollo, allez. Ok, nice. Bon, ça devrait rentrer. Hein. Ça devrait rentrer. Non, mais bien, il est stylé, ça. Des def en mid, des mid en attaque, etc. Ok. Ok, ok. Bah, en vrai, il y a des persos là chez les ogres et les anges morts, ça va, ils sont pas dégueux. Ah, ouais, c'est possible. Oh, d'ailleurs, putain, Destra dans VR, ça va être incroyable. Destra. L'occasion d'avoir un rework sur Rayon Noir, ça va être incroyable, ça. Parce que faut se le dire, Rayon Noir, c'est stylé, mais l'animation dans le jeu, elle pue du cul. Hein. Rayon Noir, il y en a pas dans Strikers 2013. C'est la dernière fois qu'on l'a vu. C'est possible, c'est possible. J'avoue que j'ai pratiquement pas joué à Strikers, donc je suis peut-être passé à côté. Rayon Noir, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Rayon. Parce que dans IE3, vraiment, t'as un fond orange, un fond vert, et après t'as la technique. Donc c'est vraiment moche. Le truc, ouais. Je vais te laisser, il faudrait que je te parle de quelque chose en privé prochainement. Y'a pas de soucis, mon Hugues, hésite pas, mes MP sont ouverts. Et puis sur ce, bah passe une bonne soirée, mon Hugues. Bah prochainement, quand tu veux. Bonne soirée. Ah oui, si t'es encore là, mon Hugues, hésite pas à passer du côté de Bricoro. Il est en live aussi, si tu vois, si tu regardes en haut du chat, tu peux voir son lien Twitch. Tu vas voir, c'est un gars super. Je pense qu'il mérite largement ton follow. Et il fait du VR, il fait du Inazuma, il fait un peu de tout comme moi. Donc si t'aimes bien ce que je fais, tu vas forcément bien aimer ce qu'il fait. Hop. Oh, tu me touches. Ah, j'ai le droit de te soucier. Oh, il a vraiment follow, merci Hugues. Let's go. Bonne soirée. Merci encore. Merci beaucoup, bon, c'est super sympa. C'est super sympa. Bon, la passe décisive, vraiment. Par contre, en vrai, on en parle du nombre de passes D que je te fais. C'est mon grand frère, écoute. Hein, c'est mon parrain de Twitch. Parrain de Twitch. Oh, je pensais pas qu'on me dirait ça un jour. Parrain de Twitch. Faut inventer les termes, voilà. Bon. Si peu, tu m'auras dépassé, jeune pousse. Attends, j'ai même pas cette ambition, je vais pas te mentir. Je me doute. Tac. Mais tu l'auras bientôt, je le sais. C'est le cas qui va juste trop loin. Continue, putain. Non, mais ça se trouve, du jour au lendemain, quand j'aurai un taf, je vais devoir arrêter. C'est ça aussi le truc. Ce serait dommage, mais... Après, ouais, je sais pas. Oh, c'est plus rare, bien plus rare. Ouais, tu pourras toujours faire des lives, mais moins fréquemment, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Et en fonction de ton humeur et de comment tu... Ouais. Oh, il est beau, lui, putain. On est sur cette zone, je pouvais pas... Il a même un œil derrière la tête. C'est pas mal, hein. Smash, en vrai. Ah non, sur ce match-là, je pouvais pas avoir d'objet de recrutement. Ah, et après, je passe... Je passe aux enfants de la nuit et comment il s'appelle l'autre? Mince. Mince. T'as les enfants de la nuit, du coup, la fusion des deux. Les vampires et t'as les loups-garous, mais j'ai oublié leur nom. Je ne sais plus. Les gars, on entend l'électricité passer dans le micro de Gozox. Quoi? Ah oui, mais ça a toujours été. Attends, comment ça vous entendez l'électricité passer? J'ai tenté une pièce. La luck. Faye X Tyranno. Oh, GG. Bah, tu sais quoi, je vais utiliser mes dernières pièces avant de finir le live et après on arrêtera pour ce soir. Ça te convient? Allez, vas-y. Nice. Il est beau, Faye X Tyranno, putain. Je sais pas si limite je le préfère en Tyranno qu'en Big. De toute façon, j'ai que 3 pièces. En Tyranno qu'en Big? Ouais, moi je préfère aussi version Tyranno. Hein. J'aime bien la couleur de Big, mais la gueule qu'il a en Tyranno. Bah, en vrai, fais la fusion des deux. Tu prends Tyranno et tu mets avec Big. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Faut avoir la deuxième, quoi. Oh, je viens d'avoir Sol Zugé! Incroyable! Oh, magnifique.
Et la dernière pièce pour ce soir, c'est maintenant Demon Dribble. Ah, c'est un peu... Mais bon, ça va, t'as eu un banger. Ouais, j'ai eu un petit banger, ça fait plaisir. Quoique, il a un peu une gueule de con hein, quand même, Solzugi, faut se le dire. Faut se le dire. Ah ouais ? Ouais, t'es il a... Dégon, bah, je vais te renvoyer sa tête pour que tu... Pour que tu te vas-y, souviennes, on va dire. On dirait qu'il va pas bien dans sa vie, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mais mon Rémi, j'ai plus de quoi boire. Ah si, j'ai de quoi boire. J'ai rien dit. J'ai vraiment de sentir une Rémi, bouteille là. De dessous ma chaise. Ah ouais. À ta santé, mon Rémi. Oh, Axel, il a l'air vénère. Ah, il est... Après, ça peut me permettre d'avoir un deuxième Apollon, ce qui peut être pas mal. Non, c'est pas périmé, non, c'est du Schweppes que j'ai sorti du frigo tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Oui. Ne vous inquiétez pas. Tu me crois pas, toi. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est là-dessus qu'on va se dire au revoir, en tout cas pour la VOD YouTube, déjà. YouTube, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour pouvoir discuter avec les incroyables personnes dans le chat que vous voyez juste ici, ou même découvrir mon très cher Bricoro qui était en live tout au long de ce live. Vous avez normalement le lien vers sa chaîne YouTube, ainsi que sa chaîne Twitch dans la description. Sur ce YouTube, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous abonnez et tout ça. J'espère que vous aurez passé un agréable moment de notre compagnie. On vous fait des bisous, YouTube. C'était Tanej et Bricoro. Ciao, ciao, YouTube. Ciao. t'inquiète, c'est pas grave. Des bisous, YouTube. Like, abonne-toi. Ça fait plaisir. De toute façon, vous avez l'habitude maintenant, YouTube. Si vous êtes là, c'est que vous profitez régulièrement des VOD. Amusez-vous bien, c'est le plus important dans la vie. Sur ce, je vous fais des bisous, c'était Tanej. Ciao, YouTube.